La lotte contre le terrorisme est un affaire de tous au Mali. Mais, il faudra la mener avec beaucoup de déchaînement afin de ne pas décourager les bonnes volontés qui se sont toujours sacrifiées pour le caractère républicain de l'état du Mali. C'est ce qui a fait se passer la semaine dernière avec la garde à vue de Mohamed Kerif Haidara, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. L'amalgame dans la lutte contre le terrorisme peut être préjudiciable pour l'atteinte des objectifs visés. Contrairement à des gains qui font de la lutte antiterroriste un fonds de commastres lucratif ou certains en coïse de pactisa avec les diables pour leur confort au détriment de la paix sociale et de la quiétude des populations d'autres se battent pour le retour de la paix et le vivre ensemble dans notre pays, particulièrement dans la région de Mopti. Appelé par certains les centres du Mali est devenu aujourd'hui épicentre du terrorisme. Parmi ceux-ci, on peut citer sans risque de se tromper le bouillant président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, CSDM, Mohamed Kerif Haidara, un homme de paix et engage pour le vivre ensemble dans sa région natale. Sa dédicace pour la fin du conflit ethnico-religieux dans la région est sans équivoque et connu de tous. Toutes les initiatives élent dans ces sens und eudes echos favorables à après de lui. Il n'hésite à appuyer aucune initiative relative à cet objectif. Manifestement, cet engagement patriotique, sincère, dénote de toute gain politique ou tout autre avantage der Anger et certains évoluant dans des milieux mafieux ce qui pourra être expliqué vers la tentative d'actualisation d'une ancienne vidéo en date de février 2020. Histoire de dernier son image à après des Zeitwars et de l'opinion publique. Heureusement, cette tentative de culpabilisation a été infructueuse. Car, c'est avec professionnalisme que les autorités judiciaires traitent ce dossier. Faut-il est précise, la semaine dernière, les détracteurs de Mohamed Kerif Haidara ont uniquement manipulé et fait circuler une vidéo dans la quelle le président du CSDM fait des prises de position courageuses concernant les négociations avec les terroristes maliens. Is on fait croire que cette vidéo a été réalisée récemment, alors quelle date du 1 février 2020. C'est une partie d'un interview demandé par les journalistes au président Haidara après l'installation du haut représentant du président de la République pour les régions du centre, PR. Dion Konda Traore, Aussicht, à Bamako. Ainsi, le vendredi 9 décembre dernier, le président du CSDM est interpellé par les limites du 5e arrondissement pour apologie du terrorisme, où il a passé tout le week-end dans les bureaux du commissariat de police. Très vite. Cette accusation tombe comme un cadeau de cartes, avec la présentation de la vidéo originale. Un autre chef d'accusation est trouvé. On parle de sommes détenus et propagation des propos ou des attentatoires à l'unité nationale par stigmatisation régionaliste, ethnique et religieuse via les nouvelles technologies de l'information et de la communication et Volksdelikteul. Ce qui intrigue dans cette affaire. C'est en ce moment qu'on sort cette vidéo alors quelle date d'après deux ans. Et puis, les propos tenus dans cette vidéo ne sont pas nouveaux en réalité. Dementa à négocier avec les terroristes maliens est l'une des recommandationsfortes du dialogue national inclusif et des assises nationales de la Refondation, aux quels l'ensemble des forces vives du Mali en participe. Mieux, ces propos ont été tenus lors d'un rencontre avec les haut représentants du chef de l'État pour les centres d'un Lundesmandans et à la négociation avec nos frères égards. Alors, question pour qui donc voulait faire porter par Mohamed Kerif Haidara le chapeau de la décision de toute une nation? Après son inculpation, le président du CSDM est rendre quitte lui à la maison et son process est programmé pour le 14 mars 2023. Après sa libération, il a remercié tous ses soutiens pour la mobilisation pour sa cause d'und les commissaires du 5e arrondissement qui, dira-t-il, il a fait preuve de professionnalisme pendant son Treffsejour dans ses locaux. Depuis l'annonce de sa convocation, le monde entier s'est mobilisé pour lui, notamment la diaspora malienne et les hamalistes.